Salut à tous, c'est Plus Chronologique. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite deck tech sur hop, Vampire! vampire. Vampire! Attendez! Vous pouvez peut-être aller regarder la vidéo qui sortira dans 2 jours, mais il faut voyager dans le temps pour voir l'autre decklist. Exactement. Ou alors si vous la regardez pas au moment où elle sort, mais 2 jours plus tard, vous avez le choix. Et du coup, vous savez ce qui va se passer Incroyable! et Bah, tout, regardez c'est les deux, fou. s'il vous plaît! Regardez tout, voilà. Mettez un petit pouce bleu pendant que vous y êtes, si passion confiance, ça fait plaisir. Voilà, et puis si jamais l'envie vous en prend, vous pouvez aller voir Tipeee. Voilà, lien dans la description pour nous soutenir. C'est gratuit pour aller voir, vous pouvez même nous soutenir gratuitement là-bas. Ça fait plaisir. Pour nous soutenir aussi, les sponsors, Playing by Magic Bazaar, code VALEPL 2021 sur la boutique, ça vous donne un point de fidélité en plus, ça nous soutient. C'est génial, voilà, merci beaucoup à tous et à nos sponsors, les boss. Et merci aussi Instant Gaming, voilà, lien d'affilié dans la description. Payez vos jeux moins chers en passant par le lien, ça nous soutient également. Top! Merci à Ça fait pas tous. une minute que la vidéo a commencé. Bim! On est déjà dans la Et deck tech. Vitesse! n'oubliez pas le pouce bleu, c'est important. On voit que vous avez pas mal joué le jeu la semaine dernière. Vous avez très très bien référencé les vidéos. Je vois notamment sur la vidéo d'Ymir Zombie, Ymir Monodore Zombie. Zombie, pardon. Vous avez mis plus de 1300 pouces bleus. La vidéo a été pas mal propulsée par l'algorithme, a fait pas mal plus de vues. Donc c'est un vrai impact. Vous pouvez nous aider à percer l'algorithme YouTube. Vous Donc pouvez voilà. être le changement dans ce monde. Aussi, bien sûr, il y a des choses plus importantes que nous aider à percer l'algorithme de YouTube. Mais si jamais vous avez 2 secondes, un petit pouce bleu, voilà, ça nous aide aussi. Oui. Après, trier vos déchets, c'est plus important, évidemment. Vampire, du coup, Oui. on est parti sur une decklist que vous attendez. On continue un petit peu l'exploration des decks tribaux de Crimson Vow. On vous a déjà présenté pendant le stream d'Appel Loup-Garou, c'était pas très bien. Et ensuite, on a joué Dimir l'autre fois, et c'était... Ok, pas d'Ymir, zombie, pardon. Et c'était ok. C'était bien, ouais. Ouais, c'était pas trop mal. Maintenant, du coup, on va tester Vampire avec une liste. Je me suis inspiré de la liste de Gabriel Nassif avec laquelle il a fait top 1 du ladder mythique il y a 2-3 semaines. Après, Gabriel Nassif, il ferait top 1 du ladder mythique avec Boros Control. Donc, ça n'a pas beaucoup de valeur par rapport à la liste. J'ai modifié sa liste, notamment sur les ratios des drops 4. Parce que lui, il était dans une phase de test à la sortie de Crimson Vow. Donc, il avait un exemplaire de chaque drop 4 vampire. On en parlait lors des reveals avec PL. Il y a 1 milliard de drop 4 vampires qui ont l'air tous sympas. À la fin, il va falloir définir quel est le meilleur. À mon sens, c'est le prédateur de l'Immersum. On m'a dit que récemment, Gabriel Nassif avait aussi choisi de jouer ce drop 4-là. Donc, voilà, on va prendre en compte pour cette vidéo-là que c'est le meilleur drop 4. Mieux que Angie, mieux que la carte 1-3 qui permet de faire des sacrifices et de piocher des cartes. Donc on va rester sur ce Predator qui bat à lui tout seul les stratégies mono-vertes. Et puis Ça à c'est côté bien. de ça, on a une stratégie beaucoup plus agressive que mid-range. C'est un petit peu ce dont on se plaignait aussi avec PL. On avait la sensation que pour évoluer dans ce format-là, si tu joues mid-range, tu battras pas Izzet. Du coup, tu es obligé de rendre ton deck beaucoup plus aggro pour essayer de passer en dessous. Et la plupart des vampires qui ont été édités sont plutôt des cartes un petit peu d'un archétype mid-range. Donc du coup, nous, on va se passer de ces cartes-là. Et rester sur le plan de jeu aggro, ça nous fait jouer des cartes qui sont globalement plus faibles. Je pense à l'Épicurien Vol d'Arène et à la Combattante Falkenrath, qui ne sont pas des vampires très puissants, mais qui nous permettent d'avoir une curve assez basse pour avoir un plan de jeu extrêmement agressif pour le coup. Yep, un max de tour 1 du coup, 9 tour 1 avec le petit Valentin, juste Ouais. là, doyen dans la veine, qui est aussi un vampire, menace lifelink pour 1, c'est bien, les autres Ouais. effets on s'en fout. Et non, on s'en fout pas. Parce qu'il y a plein d'effets de mise au cimetière qui ne proc pas du coup grâce à Valentin. Et genre typiquement quand tu joues zombie Ah! et que t'as Valentin en face, eh ben tu chies par terre. Pour la hate, ouais, effectivement, j'allais Ouais. dire pour la création de token on s'en fout, Non, ça on s'en fout. Mais la mais hate est pour la hate, vraiment, ouais. dans ce format-là, un peu plus significative que ce qui n'y paraît. Yep, et on ne castera jamais Lisette Jamais. de notre vie, normalement, en tout cas. Tu le peux, je crois, avec le château de Dracula, ou il faut quand même caster un vampire en choisissant. Ah non, c'est pour lancer un C'est sort un de sort de vampire. vampire et elle n'est pas vampire de l'autre Donc tu ne côté. peux pas. Donc, no se puede. Les petites interactions avec s'amuser avec le feu, emprise infernale et Et c'est impact sur tout. Cascade. Mage sans vol d'arène, bon, on l'avait dit, hein, c'est juste le body est cool. De un fly pour deux, c'est vampire, ça va créer un petit peu de jeton sang. Et en late game, ça pourrait potentiellement servir à bien beatdown si jamais on a assez de jeton sang. Moissonneur de la dîme de sang, 3-2 pour 2, c'est vampire, ça crée un jeton sang, et on peut le sacrifier pour infliger, enfin pour faire gagner moins X à une créature, X étant le double de nombre de jetons sang Ça marche très très que bien l'on ça. a. Et C'est particulièrement ça. plus fort que Ouais. ce à quoi je m'attendais. Bah 3-2 pour 2, déjà le body C'est est très ça, c'est un cool, body et en agressif. Et plus. en fait, le fait que tu doubles, que tu fasses moins X étant le double de tes jetons sang, vous allez voir qu'on génère vite beaucoup de jetons sang. Ouais. C'est capable de gérer à peu près tout sur un board. Donc c'est vraiment très très fort. Bah, tu fais tour 1 ça à tour 2, tu peux déjà faire moins 4, moins 4. Et donc tu peux tuer n'importe quoi, quelle bête de mono vert. Ouais, donc Ou n'importe quelle bête tout court. c'est pas mal puissant. On a la vampire mondaine qui continuera à buffer votre board ou alors à elle être buffée.
plus tard dans la partie. Donc c'est un bon drop 2. C'est un petit peu celle qui va synergiser Vampire, Ouais, ce que j'allais qui dire. va vous donner un peu cet effet Lord en beaucoup moins fort, mais qui reste très utile dans une stratégie agressive. Donc on est obligé de jouer de cette Vampire mondaine, même si des fois elle est un peu mollasse. Elle a le mérite d'avoir la menace qui la rend difficile à bloquer. Ouais. Bloquer, pardon. Donc elle est mollasse et menace. Elle est mornasse. Elle est mollasse. On a Florian Sion de Le main. Vol'd'Aren, qui est très très puissant, qui nous permet de trouver nos cartes impactantes. On l'a vu d'ailleurs dans les vidéos, que généralement les Florian adverses trouvaient les contraintes qui allaient nous enlever nos cartes impactantes. Toujours. Toujours. Et ben c'est ce qu'on va essayer de faire à nos adversaires aussi. Et puis il y a une carte aussi qui est super importante dans le deck, c'est le Château de Dracula, qui permet de générer un petit peu de value. Alors pas forcément du card advantage, c'est-à-dire avoir plus de cartes que l'adversaire, mais plutôt du quality advantage, parce qu'en créant des jetons sang, on va pouvoir défausser des cartes dont on ne veut pas dans notre main pour en trouver une autre. On ne fait pas un avantage de cartes, mais on change la qualité de nos cartes. Et c'est très important, et vous allez voir que la mécanique sang, qui était une mécanique qu'on n'aimait pas des masses avec PL, elle se retrouve pas mal importante, elle se retrouve à être pas mal puissante, et notamment très puissante pour aller grinder l'adversaire, c'est-à-dire être capable de l'épuiser. De Grinder, ça ouf. veut dire moudre en français. Mais En en gros, le gros, mou l'adversaire. c'est un deck aggro mid, enfin assez aggro même, C'est aggro qui avec pas mal de ressources et de résilience. a de la ressource et qui, en gros, passait le tour 6, on va dire, normalement, a de quoi faire en sorte de ne plus piocher de land. Dès qu'il pioche un land, il le recycle avec son jeton sang grâce au château de Dracula, au jeton sang que vous avez créé naturellement. Et ce qui fait qu'en fait, vous pouvez continuer l'agression, vous n'avez pas ce tour à vide ou ces deux tours à vide d'affilée où vous Non, piochez un land. c'est ça. Puisque justement, vous pouvez piocher 5 landes d'affilée même avec les jetons sang, hein, mais c'est que vous n'avez vraiment pas de chance, quoi. Vous augmentez grandement les chances de trouver des cartes actives C'est d'affilée. ça. C'est ça qui est intéressant avec ce deck-là, c'est que tu vas rentabiliser en plus ce qu'on appelle le mana flood, c'est-à-dire accumuler trop de mana. Tu vas pouvoir le rentabiliser en activant tes terrains, tes manlands, qui peuvent se transformer en créatures pour aller mettre des dégâts. On a quand même deux tanières du Gobelours et deux essaims du Despot. Si jamais tu as beaucoup trop de mana, tu as Éveil d'Agadim et un pack de Fracas Crâne qui peuvent devenir très puissants. Tu as ta combattant de Falkenrath qui peut se sacrifier pour te faire piocher des cartes. Donc, comme tu le dis, on a la puissance d'un deck aggro sur la proactivité. Mais par contre, en late game. Là où les decks aggro, d'habitude, c'est là en mode ah, j'ai plus de cartes en main, ah, je top deck un land, j'ai perdu, ou je top deck un tour 1 qui sert à rien, j'ai perdu. Ça n'arrivera pas avec ce deck-là. On peut creuser sur C'est les un trucs. petit peu ça, la puissance Et de ce deck. en espérant que dans les extensions qui sortent entre maintenant et l'été prochain, du coup, pour être joué avec ça, il y a des cartes avec la madness, la folie. Parce que du coup, avec les jetons sang, ça marcherait super bien. Oui, c'est De vrai. défausser une carte, de la jouer quand même, de piocher une carte, Ouais. tu ferais une value insane. Peut-être que c'est l'avenir du vampire en standard, Alors plus tard. il faudrait que ce soit des vampires qui aient Madness, cela dit. Pour que ça colle bien Ce à serait mieux. l'archétype, quoi. Non, mais juste des spells, tu vois, le truc qui met 3 points là Tempérament en fougueux. historique. Tu vois, ce genre de truc, c'est cool, quoi. Je pense que ça remplacerait s'amuser avec le feu, quoi. Peut-être, pourquoi pas. En side, qu'est-ce qu'on a? Des anti-bêtes, mots de pouvoir mortel, feuille blanche, hop, il y en a un et un contre les decks IZ ou contrôle en général. Ouais. Vengeance des vampires qui va être très bien contre mono blanc ou autre stratégie très agressive, mais je pense qu'il n'y a que mono blanc. Si, peut-être zombie. C'est vraiment mono blanc et zombie qu'on va vouloir target avec Vengeance des Vampires, ça marche très très bien. De quoi grind un peu plus avec Sorin le Morose en deux exemplaires ici et là. Je l'aime beaucoup ce story. Et les 4 duresses, hein, on connaît, pour aller chercher la petite Vrasse en face ou le sort un peu récalcitrant qu'on trouve facilement avec Lorient. Et deux peurs paralysantes aussi. Ouais, je voyais la plupart des listes vampires, je jouais seulement des Vengeances des Vampires, 3 en side, et je me dis qu'un split de 2 c'est quand même pas mal parce que peur paralysante ça va quand même chercher des bodies que Vengeance des Vampires ne va pas chercher. Ouais. Et ça peut avoir un peu de valeur, je pense notamment contre Jund. Alors, contre Mono Vert, ça n'a pas trop d'upgrade parce que Mono Vert, que ce soit Vengeance ou peur paralysante, pardon, vous n'allez pas tuer grand chose. Par contre, quand vous affrontez Jund ou Temur, donc qui sont des versions Gruul, peur paralysante c'est pas mal meilleur que Vengeance des Vampires. Ouais. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Question, est-ce que peur paralysante, on le rentre en mirror? Ah bah non. Si tu choisis, tu peux le faire à un moment où tu as moins de vampires que lui et Vras. Non, c'est comme jouer des Vraz dans Dekcha, du coup. Ouais, ça marchera pas. Enfin, je me dis pour un Bah, mirror précisément. en fait, ça sous-entendrait que tu n'aurais la possibilité de caster cette carte-là que si tu es derrière. Donc ça sous-entend que c'est un peu ton bouton reset en mode. Si j'ai pas réussi à gagner la partie, j'ai ma peur paralysante. Non, le but du jeu, c'est de gagner la partie en grindant, en étant un deck un peu midrange après side. À la limite, je pourrais concevoir qu'on les rentre sur la draw, parce que ça sous-entendrait que ton adversaire étant sur le play, il a plus facilement du board que toi. Ouais. Mais c'est quand même. Dans ce cas-là, on joue des Vraz dans tout. On joue des Domskar dans mono blanc et on les rentre en mirror, tu vois. Moi, je ne suis pas Ok. du tout partisan de ces arguments-là, mais j'entends que des gens le testent, tu vois. Ça Ouais, existe. je me demandais, tu vois, parce que tu peux pas rentrer ça, parce que ça, t'as pas le Non. choix, mais comme là, t'as le choix,
du type, je me suis dit Si peut-être que. quelqu'un le rentre sur la draw et qu'il me donne des bons arguments, je suis pas choqué outré. Hein. Ok. Mais j'aime pas des masses, tu vois. Ça sous-entend prendre le parti de ah, je vais être derrière dans cette game. Ouais. C'est pas à kiffer, quoi. C'est parti. Je me dis si c'est très aggro, tu vois, et qu'on voit qu'il y a énormément de tour 1-2 et pas trop de tour 3-4. Si tu sais que ton format ou en tout cas ton match-up, il est complètement ingagnable sur la draw, c'est pas déconnant de jouer ça. Hein. Si tu sais que par exemple celui qui commence va imploser l'autre parce que c'est Ouais. très snowballish, tu vois. Snowballish. Snowballish, ça a du sens de faire ça. Mais est-ce que ce match-up-là, il est dans. J'ai pas assez joué pour savoir quoi. Je joue en premier. Yes. Oh, bah c'est bien, tu peux pas gaster tes cartes. Nickel. C'est Nickel. Ça dégage. mieux. C'est très bien. C'est très bien. Ah, c'est très très bien même. Je vire une emprise et on fait une sortie aggro comme on commence. C'est pas idiot. Ça peut faire du mal à n'importe quelle couleur. Hein. Ouais, tu fais ce que tu veux. Pour un point de vie, ok. Il est beau en plus, hein, ce petit château Il de est très très Dracula. beau, ouais. Hop là, palmarès. Encore que. C'est vrai que tu peux aussi enlever le marais en fait. Enlève le marais. On s'en fout, non? Ah, T'auras des j'enlève jeux le marais, je dansants m'en et tout. fous la balle. Vas-y, on s'en fout. Hop, et là je peux jouer plus rien direct. Paie mon toto. Hop, tu joues ton sang et un point de dégâts. Un point de dex. Tranquille. On va pouvoir faire une petite. Il vaut mieux commencer par Vampire Mondaine ou par Moissonneur ici? Moissonneur, hein. Moissonneur, et ça mettra des marqueurs Sur tout le monde, sur tout le monde. ouais. Ok. Oh! Un petit deck Izzet. Donc Ok. là, lui, il faut le prendre à la gorge, il faut le saisir très rapidement. Je vais le saisir, Val. Saisis-le, Ça s'il a te pas plaît. l'ace, hein. Non. Je vérifie. 3-2 pour 2 haste. Non, mais au cas où. Non, mais moi, je Je me dis, prends. si je fais de la merde. Si jamais t'es à la R&D, je me régale, moi. Moi, je passe et je mets la ace à toutes les bêtes déjà. C'est Ça bon. sert à quoi si elles l'ont toutes? Eh ben, c'est écrit dessus. Eh ben, on change juste les règles du jeu. On joue à Dragon Ball Super Card Game. On va proposer 4 points Vampire Parce Mondaine. que Sangoku n'a pas le mal d'invocation, sachez-le. Ok. Personne n'a le mal d'invocation. Bah personne. Sauf toi. Mais parce que ça aurait été gênant de mettre le mal d'invocation, je pense à un Saiyan. Genre le Saiyan, il arrive face à Ah Cell si, et il parce est là en que. mode attends. Mais il vient d'arriver. Il vient de faire son voyage galactique. Il arrive, il souffle, quoi. Fais attends, gros, 2 secondes là. Bah Personne va lui sauter dessus. c'est pas ce que Il y j'ai a vu un dans respect DB. du C'est combat. pas ce que j'ai vu dans DB. Là, je vais payer 3 peps, ça te dérange pas. Pour pas me prendre de Gyro Oui, Disruption. vas-y. Moi je l'ai vu arriver et soulever Rikum par exemple sur Namek, tu vois ce que je veux dire? Oh, Il est pas Rekum. arrivé et il a fait attends, j'ai le mal d'invocation. Et Oui, bon. non, c'est vrai, en fait, dans le voyage, il s'est déjà reposé. Voilà. Donc bon, je pense que c'était pas flavor de leur donner le mal d'invocation. Oh, les petits marqueurs. Bim. Écoute, on devrait être capable de dérouler ici, hein, si. Je vais recycler emprise, je pense. Si je joue pas œuf là. Et je la garderai moi, hein, parce que tu meurs sur Ah œuf et ouais? Kraken. Hein. Pour Ah l'instant, bah pas Kraken, là. c'est loin, non? On Ouais, mais peut y arriver. si jamais il temporise, c'était deck, quoi. Il peut pas mettre 2 dégâts à tout là, Sandroclasme, ça ne tue En plus vrai, quoi. là, tout est bien. T'as pas forcément besoin d'aller chercher une carte. Hein. Ok. Oh putain. Si je veux aller chercher un land, faut que je joue Florian là. Vas-y. Hein. Je Franchement, on joue s'en dans mon fout. main S'il a phase derrière. Jwari, il prend des dégâts, là. On le déroule là. Ouais, on déroule bien. Et après ça, les contraintes vont pas mal aider aussi. Ok, il l'avait. Du coup là c'est 8 points. Ils l'ont toujours, de toute façon. Et là, c'est compliqué parce Peut-être en mauvaise que. posture. Parce que Sandroclasme, ça tue pas le moissonneur. Et il n'y a pas de Vraas à 4 dans le format. À moins qu'il joue des Vraas draconiques, ce qui n'existe pas. Et il pourrait mettre que 2. Parce qu'il faut qu'il Ouais. exile un truc, je Ouais, crois. c'est vrai, faut qu'il exile un sort en plus. Non, bah, je pense que t'es bien ici. Hein. Trouve ça dommage que ces terrains-là soient juste des terrains basicaux parce qu'ils sont sublimes, je trouve. Ah, tu aurais voulu les full art? Ouais, genre des full art. Ça, mec, on dirait juste une Blood Moon. Ouais, c'est vrai. Même lui, hein, On dirait une Blue très Moon. chouli. Une Blue Moon, ouais. Ouais. Qui existe. Alors, ça n'existe pas, mais le deck existe. C'est Non, Izzet pas la Blue Moon. carte, mais le phénomène. Ah, une Blue Moon. Ouais. Ah, je croyais que tu parlais d'une carte. Et parce qu'il y a Mais un tout deck n'est pas que moderne. des cartes, Il y a. Ah, Val. mais je moi, Sors un moi, peu, je là. ne vois que les cartes, moi. Putain, il voit carré comme ça. Ah, parce qu'il y a un deck en Allez, c'est moderne qui win, ça. s'appelait Blue Moon à l'époque. Oui, et c'était C'était Izzet Blue Izzet Moon. Control avec Blue Moon, ouais. Et plein de contres. Et plein de contres. Pour les cons. Non, je rigole, j'adore les mecs qui contrent. C'était quoi déjà? Je me rappelle plus, mec. De peur, 4 Et contraintes, voilà, et c'est tout. et je le grind. Ah, Et ça tue les ça œufs. va être dur, je pense. Ça tue les œufs. Quoi qu'on enlève, je crois que Ouais, 4 s'amuser avec ça le fait feu, pas ça dégage. grand-chose. Ça, J'en garde oui. une petite quantité quand même pour Ouais, je ça. suis toujours en mode ah, j'en veux pas, mais en même temps, j'en veux un Il va peu, nous tu vois. rentrer des œufs, c'est sûr. Non, enlève Prédateur. Prédateur, c'est pas ouf, tu vois. Pas Ah tous, ouais? mais.
Bah, ça te Tu demande d'avoir fais du board pour marcher, tu vois. 1-1 ou tu gardes plus Enlève 3 de prise? Valentin, il sert à rien. Il est nul, Valentin. Oh non, pas Valentin, Ah, il est Val. pourri. Et remet une petite emprise. Ouais, vas-y, comme ça, on est Valentin. tranquille. Bah, Prédateur, c'est un drop 4, c'est un peu mid-range et tout. Enfin, c'est long contre lui, tu vois. C'est loin. Non, Oh. Valentin, il est pas Billy, il sert à rien, quoi. Ça m'attriste, hein. Ma carte invitationnelle, parce que j'ai gagné les Worlds 2020, Qui n'ont pas eu lieu. ça me détruit, quoi. Ah, ils ont pas eu. Bah, pourquoi ils m'ont fait une carte, alors? Bah, en fait, on J'ai savait gagné pas parce qu'il qu'il y avait avait lieu. personne. Et il est arrivé, il a dit Je suis le bonjour, seul à m'être et il a pointé, gagné. et on fait, bah, félicitations, monsieur. Bah, c'était qui? C'était Omery, non? Qui était champion de France, je crois, de Popper. Il a fait un tournoi Popper dans sa vie. Et. C'était un tournoi où il y avait peut-être entre 8 et 10 joueurs. Et il se trouve qu'il l'a gagné. Et en fait, il a appris qu'il était champion d'Europe. Alain, c'est champion d'Europe. C'est trop Mais puissant. c'était pas même encore moins. Il n'y avait pas genre deux personnes, ils ont fait un Ah, je BO3. sais pas. Peut-être qu'on travestit l'histoire, mais c'est un délire Mais du je sais qu'ils lore. n'étaient pas beaucoup et il a fait en mode comme ça et on a dit bah en fait c'était Félicitations, il a un petit championnat diplôme. d'Europe. Félicitations, t'es champion d'Europe. Ah, Bravo bah, monsieur. merci. Trop bien. Oula, oula, oula. Je veux pas J'avoue, que ceux ça qui tourne. connaissent l'histoire, parce que vous l'avez entendu dans le podcaster mage, rétablissez la vérité dans les commentaires. Mais c'est pas loin. La vérité approximative. Mais c'est pas loin. Ok. Putain, ils sont bien les prédateurs ici. On a pas de petit point, Jimmy Jace? Jimmy G? Il a le petit danger des champs des Ok, cartes, mais ça fait mal. alright. Pas grave. On trouve un petit drop 3. Petit À moins Florian, là, on que. prend. Non. Je vais dire à moins que je puisse faire ça, créer un jeton sort, mais non. Petit Florian, on est bien. Je vais virer un land tour prochain pour trouver un drop 2, du coup. Ouais. Si je trouve pas de drop 3 ou Bah, 2. Flo-Flo, quoi. Je crois que je le fais même si j'ai un drop 1 d'ailleurs. Ah bah ça c'est bien ça, c'est bien joué. Ah bah j'ai un drop 2, parfait. Ouais. Je trouverais pas mieux là, en drop 2. Je crois pas, non. Enfin, Franchement, c'est vraiment je peux en pas trop trouver mal. d'autres mais... Non, non, vas-y, c'est bien. Je vois déjà cette sortie, elle commence à puer du cul. Il s'est accéléré, il a temporisé, il est toujours à 20. Non Val. Non non non. Ça sent pas Non 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 bon. non non non. Ça sent Je vais pas pas entendre bon. ça. D'ailleurs, pourquoi il joue commandement de Prismari? C'est plus joué ça dans les listes normalement. Alors, je suis plus au fait. Peut-être qu'il en a un. Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'il a plus une version dragon ou plus une version Turns? Je ne sais pas. Turn dessus. Tolulu, C'était trop loin là d'en avoir 5. Hein. Ouais. oui. Oula. Ça prédate, hein. Tu vas attaquer d'abord. Oui. Prédate-moi cet animal. Oh, je l'entends glousser là, il est content, là, ça me dégoûte. Le petit dragon. Il y a Ouais. des gens dans les commentaires qui ont dit, et ça m'a vraiment affecté, attristé, Ça qui ont dit, t'a blessé. tu as raison, PL, ce dragon est dégueulasse. J'étais là en mode, putain, mais il vous entend, bande d'ingrats. Et j'ai vu, hein. En plus, d'habitude, je regarde jamais les commentaires. Mais il les regarde, Je les regarde mais vous lui jamais. faites du mal, quoi. Et là, j'ai tout lu. Vous lui faites trop du Et mal. je regarde. Il lit ça et tout, tu vois, il m'a dit, Val, j'ai envie de me retirer, quoi. J'ai dit, non, les écoute pas. Les écoute pas, c'est ça d'être Ne leur dis pas. un personnage public, tu vois. Mais ouais. Il faut assumer, il faut accepter. Mais c'est dur, vous avez blessé son petit cœur, quoi. Et moi, par ricochet, évidemment, mais ça vous en foutez, bien sûr. Mec, t'as vu mon nouveau pet ou pas? Ah non, on n'a pas joué sur mon compte depuis 100 ans. J'ai pas vu ton nouveau Ben, j'ai pet. acheté la grenouille. Arrête. Ouais, et je Mais suis très c'était sûr. En déçu. même temps, tu l'as vu, t'as fait. Oh! Mec, Oh la elle est ouf la grenouille! grenouille. Elle était cool, ouais. J'ai intérêt à poser un truc avant pour le sacrifier. Ou je veux juste deux prédateurs là. Ah, vas-y, Moi, je bon, crois que allez, je veux vas-y. juste deux prédateurs, je m'en Si t'as fous. envie de réfléchir dans cette Radvide la game, là, de merde. toute façon, là, qu'on a envie de réfléchir. Enfin, Je de peux rien déconner. faire, mec. Ah, si. Ah. Que Boon, c'est tout ton bord, je crois. Putain, si j'avais eu l'onde dégagée, je remettais deux bêtes, il était content. Il est content, Gaëtan? Gaëtan. Eh ouais. Ouais. Elles sont où nos contraintes et nos feuilles blanches? C'est dans quoi il est content, Gaëtan? Je sais plus. Putain, Ah putain, on voilà. s'en cague, regarde. Regarde ce qu'il fait. Ouais, on s'en cague, Hydro 4, il y a 4 mana, donc... Eh mais toi, tu vas lui enlever une itération d'un grand. Ah bon? Bah, tu vas pouvoir attaquer avec ton prédateur. Ah oui, je croyais que c'était que des créatures, je buveuse. Bien vu. Bon, Allez, merci. on s'en fout un peu. Tu vois, là, si on avait une duresse, on le dérouille. Hein. Ah, c'est vrai. Mais non. Ah, pas duresse. Parce qu'on n'a pas de chance. Ah, pas Florian. Putain, là, je mettais Florian en main phase 1. Je t'ai régalé. Bon, après date, hein. Hop là. Regardez donc. On est là. Hein. Mirez donc. Pas de mai. Mirez donc. C'est-à-dire quoi, genre regardez dans la mire? Regardez. Ah Ah ouais. ouais, juste regardez.
Ouais, Mire. ça doit venir de regarder dans la mire, ouais. C'est incroyable. Mire donc. Ah! On l'adore celle-là. Y a quoi au cimetière celui-là? Ça va. Franchement, il fait pas du sale pour l'instant. Il n'y a rien Inondation qui gère d'épique. tes prédateurs, donc. Y a plus de mana. Il n'y a plus du tout de mana. Un petit peu. Non, mais regarde ce qu'il fait, on en a cure. Oui. Que ça te fait peur là, ça, perso. Non. Moi non plus. Là, il est dead on board, hein. Il est daub. Ah bon, il était dead board? Bah là, s'il fait 4 et rien. 4, 4, 5, Avec en tout cas, s'il gère pas ça, ton on Piranha, lui enlève des spells. il est dead on board, ouais. Ah, mais il peut juste faire ça en fait. De quoi? Burn down the house? Ah, j'ai pas vu qu'il y avait ça. Ah, mais tu vas Bon, garder un hyperlire prédateur. et je garde un Ouais, c'est prédateur. naze. Pas bien. Non, en fait, je fais je sacrifie pour le rendre instructible. En réponse, je sacrifie instructible. Les deux sont en pile, les deux sont instructibles. Ça serait beau si Magic marchait comme ça. La Avec, du coup, triche. avec Carapace de Nantuko, tu fais sacrifier une créature, gagne plus de plus de. En réponse, je la resacrifie, gagne plus de plus de. En réponse! En fait, t'es Nantuko et n'importe quelle autre bête, c'est infini, infini. C'est infini, C'est la infini. meilleure bête. Trop fort. Mais il faut vraiment, par contre, que tu parles comme ça. En réponse! Ouais, Il faut qu'à faut chaque pas fois, qu'il ça en soit un place peu une. rapide, tu vois. S'il en place une en face, Si ton ah bah. adversaire, il fait anti-bête, Tu fais merde. Mais tu non, fais si, ça. tu remets en pile. Ah, mais il faut un flow, il faut un débit de parole, mon gars. T'es pas prêt. Ok, avec Putain, Piranha, là, il a rien fait qu'est-ce que là. tu t'en bats les couilles Ah là? ouais, sûr. Bah, je sais pas. Attends, tu veux qu'on réfléchisse en Ah, fait? attends, 2 secondes. Ouais, Ça a l'air trop simple. Non, c'est bon, c'est win. vas-y. Si. Mec, c'est win. Bah, c'est sûr, c'est win. Non. Je rame même pas là. Vas-y, je joue des sorts là. Je m'en fous. Propose-lui une all in the box. Tu vois ce que je veux dire? Oh, avec le dessert. Ah oh putain, il fallait qu'il ait espoir volatilisé. Ça nous C'est pas démonte. grave. Hein. Non, ça nous démonte. Ça me va. Ouais, maintenant, il en a un deuxième, donc il va te bouncer le deuxième. Ça me va. Bah ouais, ça me va pas du tout, moi. Je peux faire une phase d'attaque ou pas? Ah, mais après, il a tout quoi. What did you expect, hein? Un donné, ma merde. Ici. Dos puntos. Voilà, je pense qu'on a perdu là du coup. C'est beau de pouvoir juste faire lire, j'ai gagné. T6. C'était marqué dessus après. Hein. Ouais, mais genre, c'était pas obligé, tu vois. Non, c'était pas du tout obligé, bien sûr. Après, ouais, vas-y, c'est bon, barre-toi. Il m'a bandé lui. Je peux plus Ah, les je peux voir. plus. Je peux plus. Ah, ça, je peux plus, Ah, moi. je peux plus. Très content en ce moment de jouer à Dragon Ball Super Card Game. Ça me détend. Ah. Oh, Eh ben, aïe, je aïe, joue pas à Dragon Ball Super Card Game, moi, mais je joue à d'autres jeux vidéo. Et pareil, ça me détend ça aussi. détend, hein. Ouais. Putain. Je joue à Pokémon, je fais mon aventure et je suis content. Ouais. Et il n'y a personne qui prend un tour supplémentaire, sauf quand ils font amnésie. Non, pas Ouais. amnésie, quand tu fais Hypnose. ultra laser. Ah Ou oui. hypnose, ouais. Mais non, c'est ils perdent un tour en fait. Oui, c'est toi qui décides de donner un tour, c'est Ouais, vrai. donc ça Par contre, va. l'adversaire qui te fait hypnose, toi, t'es obligé de sortir ta Pokéflûte, là. Oh, je l'en prends. Ah, bah elle est là. Oh, c'est le keep. Oh, Super. c'est le keep Oh, inside. super. Mec, je fais du restaurant. Hein. Non. J'en ai rien à foutre, voilà. Non, parce que tu vas faire du Restour 3. Ok. Ah, ok. Oh, je lui curve là. Pleine trogne. Mets-lui dans Pouf! la gueule comme ça. Là, il va piocher trop de cartes entre le tour 1 et le tour 2, et du coup, t'as du reste, ça n'aura pas d'impact. J'aurais dû le laisser commencer, ça l'aurait dupe. Je pense. Ça marche que dans d'autres jeux, ça. À Magic, ça marche jamais. À Yu-Gi-Oh!, tu laisses commencer les gens. Ils font des boards énormes, avec plein de negates, plein de. Ah, tu vois, plein de merde. Et toi, tu fais ok, je détruis ton board, vas-y, je joue. Ah. Ça s'appelle un deck go second. Et c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. Et Tu du laisses coup, ton. l'autre, il peut te laisser commencer et toi, t'es base. C'est le jeu de poker menteur des Ah, decks ok. go second, tu vois. Et par contre, si tu te Alright. doutes que ton adversaire te laisse commencer, t'as intérêt à side des premiers, et pas side des seconds. Et du coup, enlever les boards de destruction. C'est très rigolo comme pattern. Ok. La Magic, c'est pas possible parce que tu dois dépenser du mana pour jouer des cartes. Donc, tu peux pas dire tiens, tour 1, je dégage ce que t'as fait. Pas possible. Eh non. Mais qu'elle brille là. C'est vrai qu'elle brille. Si elle brille, faut Du la coup, si elle jouer. brille, faut la jouer. Bah oui. Eh non. Pas Putain, forcément. j'ai fait un tournoi papier l'autre fois. Aucune carte brillait, je savais plus quoi faire.
savais plus les poser. J'ai passé mon tour, plein de tours d'affilée, j'ai perdu, j'ai Ça c'était pas. fort, il a brillé tout, hein. Du coup, t'as posé ta main. Tu fais, bah Ouais. tiens, je joue ça. Allez, moi je sors bol d'arène. Ah non, moissonneur. Pourquoi? Il y a plus de points. Oui, c'est vrai. Oui. Et ça meurt pas sur Donjon de Tour des Piques qu'il a en main. Il l'a? Ah. Il. Il pose, hein. Je crois qu'il l'a. Ça peut être Ah non, espoir c'est Boons. volatilisé. Je crois que c'est Boons parce que ça a passé vite avant. Ouais. Bon, ils l'ont tous, quoi. Et là, it's time. It's time to contrainte. Alors, tu pouvais piocher Fais-moi la jusque des bim-bim. landes, quand même. Non, mais j'en voulais en avoir 5 au cas C'est où. possible. Comme ça, je pouvais réanimer un truc. Ouais, si tu On est veux, au si tu courant, on est au veux. courant, on connaît. Il n'y a pas de galère. Une au-dessus. Du coup, je vais durer sa carte du dessus, s'il te plaît. Oh! On enlève lui l'aubaine. L'aubaine, hein. Ouais. On enlève lui l'aubaine. Et rejoue ton Ah! petit moissonneur. Et non. Il y a des petits bruits C'est le voisin, nous pour kiffer, on joue à Magic, lui il perce. Chacun son kiff. Mais il berce un petit peu, t'as vu? Là, ça fait une demi-heure environ qu'il avait pas mis un petit coup Il a juste. de Je pense qu'il y a un côté un peu addict, et des fois quand il a pas sa dose, il est là en mode vite, 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 et il met un petit trou, il fait. Ouais. Mais tu sais que des fois, il sans percer, juste il la prend en main et Il il a la plus ce caresse, truc, et quoi. il est devant Netflix, il a sa perceuse. Et il est régalé. Il est sur son canapé, il a la perceuse contre le torse, comme Ouais. ça, et des Et un fois il petit met. plaid. Avec un petit plaid, et des fois il fait. Bzou, bzou, Oh! Il fait chut, 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 comme si c'était pas lui, tu C'était vois. son chat, tu sais. Oi, oi, oi. Quelle Ah, j'y mets 3 points. catastrophe. Ah, mais bourre-le. J'ai envie de punir ce malotruc à rentrer un drop set pour gérer notre board. J'ai vraiment envie qu'il meure avec son drop set en main. Il va mourir avec Ça son me ferait drop set en main. plaisir. Alors là, soit je remets un drop 2, soit je joue plutôt Tanière pour pouvoir faire un mainland tour prochain. Non, vas-y, Tanière. Tanière, Tanière. Ok. En plus, tu pourras défausser ton land en trop. Celui-là ou celui-là? Nous verrons. Nous verrons. Et non, celui-là. Est-ce que. Oui, celui-là, ouais. Ce que j'aime bien, c'est que son drop 7, c'est un drop 5 si on lui avait pas défaussé son bon mana. Enfin, son bon mana, Oui. sa bonne carte. Son Oui, aubaine oui, inattendue. Ah, bah, c'est bien. oui. Non, j'ai dit non. Ah, j'ai dit non, ça, par Ah, contre, hein. c'est. Une espèce de talent par ici. Bah, écoute, faut bourrer les malotrues, je crois. Avec ton Ou tanière. alors, on peut bourrer les malotrés. Tu peux bourrer les malotrées, ouais. Je vais lui exiler espoir. Non. Vas-y, vas-y, ouais. Je perds un point de dégâts, mais. Je pense que tu l'exiles espoir. Après, est-ce qu'il va nous Très laisser faire? grave. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il me laisse passer en phase d'attaque? Oh Ok, donc ça putain, va être yes, tu peux exilé. lui enlever espoir, bien sûr. Trop bien. Ça dégage. Ça veut dire déjà que l'IR est un moins gros problème. Ok. Ça, c'est très très mou Il comme. prend 6 points, mais ouais, c'est assez lent. Ouais. Il va C'est prendre le trop. truc, il va chercher un land et deux pèves. Écoute, c'est pas si mal, faudrait quand même continuer à trouver un peu des contraintes, des cartes de hate, mais. Il est dans deux tours, il a son invocateur. Il faudrait qu'on trouve au moins un anti-bête pour pouvoir le gérer. Ça va le faire. Je crois que là, je vais plutôt mettre 3 points et double créature pour mettre la On pression. sait qu'il joue Burn Down the House, ça m'emmerde un peu. Mais ouais, je crois que t'en es là. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Sachant que derrière, nous, on peut continuer d'attaquer avec nos manlands. Donc Ouais, c'est c'est vrai qu'il ça. Les mainlands, ils attaqueront après. faut essayer de le mettre le plus bas possible. Le problème, c'est que s'il a Prismaric Omen, là, on se prend l'invocateur, quoi. Mais ça lui demande d'avoir spécifiquement Prismaric Omen dans les deux cartes que tu connais pas. Ce qui est quand même. C'est pas obligatoire. Enfin, ça arrive pas forcément, quoi. Oh, je mets tout. Ouais, bah là, on en est, hein. Sauf si la burn down, on a quasi perdu quoi. Tu peux faire Evade Agadim pour essayer de repartir, mais derrière burn down, lui il aura le gros géant quoi. Ça, tu peux garder pour défausser. Hein. Ben là, j'aimerais bien faire Épicurien qui peut pas contrer avec Johari et ça me fait du mana pour Veil d'Agadim. Moi, ça me dérange pas hein, qu'il contre un Épicurien hein, pour le peu de dégâts que ça met. Hein. Ah Ok. putain, mais il a. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu Il y qu'il a l'avait joueur en en main. main. Ah, vas-y, laisse-lui passer, Johari, c'est pas grave. Ok. D'accord. 5 jetons de sang. Bah en vrai, elle est active déjà. Ouais, c'est pas Si on mal. la trouve. Non, je crois que Et il faut en créer, hein. t'as assez de langue là.
Bon, là, ce qui serait trop bien, c'est qu'il n'ait pas de quoi gérer notre board. Ça nous laisserait rentrer assez de points pour survivre du coup à son géant le tour d'après et finir avec les seins du Despot Tyranoï. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'anime ma demande ou pas? Si jamais. Alors là, il est Horreur Briscoque. Non, il n'est pas Horreur Non. Briscoque. Hop. Là, faut tanière, hein, du Ça et coup. ça ne fait rien, donc il faut qu'il ait double gestion. Plutôt tanière. C'est plutôt tanière. C'est plutôt tanière parce que tu as besoin d'avoir la menace pour passer outre son géant tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Animons ça. Il a une response. Je pense qu'il va tuer Épicurien. Genre quoi, il a un danger de champ d'épique? Un truc qui nous démolit là, c'est Sandroclasme. Prendre classe me kicker, ça nous démolit. C'est lui qui a démoli, Val. C'est lui le Ah démoli. putain, je suis heureux. Par contre, Qui tu c'est qui a vois, tu sais démoli? pourquoi je kiffe jouer à Gimme Magic en ce Jace. moment? Parce que quand j'en démonte un, disette, putain, ça me revigore, Ah quoi. ouais. J'ai les muscles qui Ah gonflent. de ouf. T'es impressionné d'être un chasseur. Oui. Et t'as trouvé une belle bête. Ah Bim! ben, je pense que Trophée. je fais du bien, tu vois, je préserve le paysage. Tu vois ce que je veux dire? Attention, on n'est pas pour la violence envers les animaux. Pas du tout. On parle juste du côté chasse et on trouve Ouais. ce qu'on chasse, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Genre, on a protégé un troupeau, si tu veux, là, pour le Ouais. coup. Le troupeau de la communauté de Magic. C'est ça. Genre, il y a des loups qui rôdent, ils veulent bouffer les moutons. Ouais. Et les loups, on sait qui c'est, Et hein. nous, on a C'est pas attrapé. les loups-garous. On a attrapé le loup, tu vois. Bim! Ah, quel plaisir. Daltar, j'en ai relancé une, hein. Oui, mais t'as raison, bien sûr. Attends, après une victoire aussi clinquante. Une victoire de canard. Encore une victoire de canard. Alors, c'est bien ça. Eh, tu casses pas tes cartes. Hein. Ah bon? Bah si, je fais ça tour 1 et après tour 2 et je Ah casse oui, tout. c'est vrai, oui, non, mais je suis con. Juste, je fais pas ça Bah, tour je 1, m'en vais. mais. Allez, ciao. Allez, salut! C'est Sors mono blanc. pas enneigé, ça, comme plaine. Curieux. Ah, t'aurais dû S1 du Despot du coup. Pourquoi? Pour faire S1 tour 1, S1 tour 2 et avoir contrefort up au tour 3. Parce que là, du coup, à ton tour 3, il est engagé quoi. Ah oui, mais c'était pour avoir le choix de mes drops 2. Ah oui, ok. Parce que sinon, je pouvais pas casser tout ça. Ouais. Isseng, Moissonneur. Oui. Ouais. Enfin, je pensais que c'était ça le meilleur truc, tu vois. Mais c'est vrai que si on allait jouer ça tour 2, j'aurais dû Ok, S1, S1. il joue Boros du coup, notre ami. Ah, d'où le manque d'enneigement. D'où le manque d'enneigement. Ouais, ça nous va très bien du coup, le manque d'enneigement. Adepte optimiste. Alors il va nous faire Adepte Qatar, optimiste. Qatar, 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 Qatar. Et on risque d'avoir du mal. Cela dit, le vampire a plutôt un bon match-up contre les jeux créatures blancs. Ah, tu l'avais dit. Premier Qatar. Ah ben je connais. Hein. Ça je connais en ce moment les Qatar. Je sais ce qui se passe quoi. Eh ben moi je te propose de nouveau un moissonneur et tu peux jouer un land tap quoi. Ouais, sinon je peux ça tour 1, hein. C'est J'ai pas besoin de important. 4 mana En pour tout tour cas c'est prochain. important d'avoir moissonneur pour pouvoir gérer les Qatar plus tard quoi. Ouais. Je On peux plus va. tôt en tour 1 là, entre les deux. Ah si tu veux vas-y. Hein. Au mana rouge du coup. Du coup tu remets à plus tard les seins du Tyranoï. Ouais, parce qu'on n'a pas Mais drop 4, on a que les drop 2. vas-y, bah fais moissonneur épicurien. Du coup faut que tu le mettes en mana rouge. Ouais. Ok, t'es bientôt à 5 ma 5 jetons de temps pour match sans vol d'arène. Ouais. En fait, de faire dans cet ordre-là, ça permet tour prochain de faire tour 2 et Valentin, lui. C'est moi. Ou un drop 3, si on trouve un Et Florian. c'est vrai que la vampire mondaine aussi te récompense à avoir plus de cartes sur ton board. En plus, ouais. C'est bien. Là, il agresse pas du tout. Donc, on peut faire des trucs. Il agresse pas du tout. J'aimerais quand même que tu ne l'invoques pas, s'il te plaît. Je voudrais pas le provoquer. Ne le provoque pas, quoi. Mais voilà, T'es devant hein. ton adversaire, t'es en local game store, tu fais une game papier et tu dis à ton pote, non mais là je joue, il m'agresse pas du tout le mec. Tu peux me parler, ouais. Il te dit, oula, t'es dans la mouise, non? Tu lui dis, non, c'est de la merde ce qu'il fait. Non, Pas non. toi, hein, je parle Non, non, de il joue ton un deck deck. de Hein, merde, c'est pas contre toi. hein? Non, objectivement, objectivement. Objectivement, il est pourri dans paquet, qu'on Hein? se Tout le dise. monde, regardez. Hein? Regardez le deck là. Qu'est-ce qu'il fait? Horrible. Juste horrible. Ces situations existent, hein. Ont existé en tout cas. J'ai bien envie de trade là. Si tu trades, tu tues plus son Qatar. Ah, c'est vrai que c'est dommage. En même temps, ça c'est chiant.
En même temps, ça c'est chiant, mais c'est acceptable, non? De pouvoir tuer Qatar et d'en avoir un autre qui recréera un jeton et qui pourra du coup rebloquer le tour d'après. Ok. C'est fine. Finement joué, ça. Faut que j'engage ou pas? Ouais. Ouais, il faut que t'engages. Bah du coup, comme j'ai dit, on n'a pas de tour 4 dans la main, on en a pioché un, évidemment, mais. Bah je tue pour récupérer, hein. Ouais, ça me va et ça te permet même de proposer une phase d'attaque avec Épicurien Vol d'Arène et de pouvoir avoir Vampire Mondaine qui va te permettre du coup de buffer tout ton board. Ce qui est plutôt Sweetie Dazé. Mets un petit Valentin avant en Ah préalable. ouais, t'inquiète. Ah oui, tu peux te Fallait les mettre débrouiller. à. Non, ouais. J'allais Non, dire, c'est fallait les bon. mettre en phase d'attaque, c'est tout. Hop! Petit Valentin. Et là, on buff tout le monde. Et là, le tour d'après, c'est Ah Maquette merde, en Vol d'Arène qui fait plaisir. ça. Non, je pensais mieux comme Au ça. moment où je crée le cinquième. Ouais, non, c'était pas de suite, quoi. Là, on est bien, tu sais. Oh là là, il va essayer de piocher les cartes, là, ça ne fait rien. Billeuse, hein. Alors qu'est-ce Vas-y, qu'il a? trouve des bons trucs, par contre. Plus portable, adversaire intrépide. Ah, plus portable, c'est vénère, ça. C'est un Il peu dit chiant s'il n'importe a quelle Land Blanc carte. dans la main. Ah, mais il vient de poser Land. Non. C'est nous qui avons commencé ou On a pas? C'est nous qui avons commencé. On a commencé. commencé, je Ah, crois. je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Je sais pas s'il peut, s'il peut jouer son puits. Non, c'est lui qui a commencé, donc il peut jouer encore là. Ouais. Ok. Alright. Et là, son attaque, elle est un peu Pas trop naze, hein. d'attaque, hein. Ah, moi, je double bloque avec la 2-2 sur la 3-3, non? Ça? Ça te va? Ouais. Et tu veux le bloquer avec ton moissonneur ou pas? Si je bloque, on repart avec deux bêtes, lui, il a plus rien, du coup ça c'est vachement naze. Ça me va, hein. Et on met prédateur, nous, sur notre... Ouais. Ok. Ouais, il va tuer Valentin et ça. Ah. Je préfère la socialite. Mais je comprends que Et. Valentin, ça n'accomplit rien alors que la socialite, elle... Ah mais c'était Lifelink, donc dans une bataille de. Ah ça, j'avoue. Ok. Bah, prédateur. Créateur, 4 points, gagne de pev. C'est pas si mal. Bah là. Ça lui permet de pas avoir un énorme board à buffer avec son adversaire, parce que l'adversaire, c'est quand même relou. Après, nous, on joue plein d'anti-bêtes aussi. Main deck, genre on a 7. Donc à un moment, on peut les Ouais. trouver aussi. Là, il perd un trigger du coup de confrontation d'escalade. Ouais, là c'est éclaté hein, ce qu'il fait. Bon, il a le mana pour mettre 2 marqueurs après, mais. Du coup, il buff pas son board, donc c'est pas ouf quoi. Les plus portables qui vont enlever Valentin. Ouais, ça va. Et du coup, on va exiler. On va sacrifier en réponse. Ok, exil. Ouais. Et mettre un marqueur. Et il ne le fait pas. Il remet du bord plutôt. Ok. Ouais, je suis pas trop peur de ce qu'il nous propose. Ah non, mais Ah, il est il y bon, il avait est bon. mana blanc. Très très bon. Il avait tout, hein. Eh ben, 4 spells dans le tour, hein. Ouais. Vas-y, sacrifie-le en réponse. Ciao Valentin. Allons lui manger un petit Qatar. Et maintenant, il faut juste espérer qu'il n'ait pas d'apparition du Fort Céleste pour notre prédateur. Ouh, ça c'est pas si mal pioché. Tu Eh peux ben on va tuer l'adversaire là. péter le 5-3 et aller mettre des points, ouais. Ouais, ça me va. Mais je vais juste mettre 2 points. Et un jour, tu auras le cinquième. Ouais, le cinquième jeu de Ouais. l'ensemble. Hein. 3 points. Confirm. Yes. Oui. Et là, on gagne la course parce que prédateur, ça met des points. Il a aucun moyen de le gérer tant qu'il n'a pas une Skyclave apparition ou un Qatar brutal. Hop, ça dégage. Donc c'est pas mal du tout. On tue en 3 tours. Ouais, sachant que t'as du mal land, ce qui n'est pas son cas. Oui, donc on peut peut-être même tuer tour prochain suivant ce qu'il fait, mais à mon Et avis. ce qu'il nous démontrait ici, ça serait un appel d'Emeria. Et il n'est pas loin de pouvoir l'avoir. Ça va, c'est des tours où il stabilise pas, hein, Ouais. confrontation d'escale. Il cherche des trucs. Il en retrouve une. As Paladin. Ouais, on s'en fout un peu de tout ça. Non, ça Il va land ça pour faire que ça coûte cher et mettre un bloqueur, je pense. va. Ouais. Ou il peut classe et jouer des trucs de sa main s'il veut maximiser les marqueurs. Là, il met pas de marqueur sur le premier tour. Et si, il a le Ah, il a trigger le de son trigger ancienne. d'avant. Ah ouais, putain, quel enfer. On va Voilà, peut-être avoir du mal il à faut partir battre le là-dessus. double showdown. Hein. C'est pas impossible. Ça dépend, s'il nous tue pas en 2 tours, nous on le tue en 2 tours. En fait, s'il a pas de gestion à prédateur. Ouais, mais il peut mettre au moins un bloquant pour gagner un tour. Il va Oui, avoir un c'est vrai, il peut le bloquant jouer le avec tour ça. Et prochain, nous, ouais. si on trouve pas d'anti-bête,
C'est poubelle quoi. Après, on a Epicurien qui va tempo une phase d'attaque aussi. Hein. Tu devrais le faire maintenant d'ailleurs parce qu'après il aura congrég sur la 6-5. Donc tant qu'il n'a pas la congrég, prends ta phase de Ouais. bloc. Bien vu. Bah, il l'a là. Ah non, mais il a pas le mana. Il n'a pas le mana, donc c'est pour ça que là il faut absolument les économiser maintenant. 5, 6, 7. Ouais, non, on pouvait pas avoir l'état. Je me suis dit si jamais. Là, je pense que match 100, c'est plus Ah, mais on a réaliste. gagné. Pourquoi? Bah, ça, c'est menace, non? Et ça attaque, j'exile un truc, il passe à 9, Ah non? putain, oui! Attends, c'est quand qu'il prend un marqueur? Porte attaque. Ah, bah, c'est bon, là. Il faut exiler une créature pour qu'il. Non, c'est dès Non, qu'il non. engage. GG. Il aurait pu le voir venir, ça, quand même. Bon, bah, GG, roleplay. Oui. J'allais Oui, il dire, aurait pu jouer sa bête. le match en Vol d'Arène, ça devient trop ambitieux, tu vas recycler des cartes, là. Pour aller chercher un anti-bête. En fait, là, t'avais Ouais. plein de jetons sang, donc tu pouvais recycler, 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 Ouais. jusqu'à trouver, pardon, une emprise infernale. Peur paralysante, vengeance. Et c'est tout, je crois. Si tu veux, tu rentres ça? Ouais, mais je pense que je vais rentrer toutes les interactions. Je me demande si on veut des contraintes pour Shodan. Parce qu'on a déjà ça qui marche très bien contre lui. Ça, je pense, c'est contre Monogreen. Hein. Ou alors on les rentre à la place de ça pour économiser les pev. Ouais, bah en vrai, il a aucun diable, ange et démon, non? Ouais. Ok, j'aime Parce pas qu'en les. fait, si jamais on rentre trop d'interactions, on n'a plus de créatures, on n'a plus la pression. Les tourins, c'est. Ouais, mais c'est pas grave, nous on a un deck contre lui, on a un deck midrange. C'est-à-dire qu'on veut juste tuer, contrôler. Tu peux enlever les Épicuriens de Vol d'Arène, je pense que c'est naze. Je crois que c'est. Alors, sur la draw, c'est pas très bien Sorin, mais on la rentrera sur le play si on vient à perdre cette game-là, je Ok. pense. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, gestion contre lui. Hein. Quasiment une carte Ouais, mais sur ce qui me 4. pose problème, moi, c'est Shodan, c'est pas tant son board. Et je me demande si on veut pas une petite quantité de Duress, tu vois. Le piquer. Genre, Valentin, typiquement, sert à rien. Ça me dérange pas d'enlever au moins un Valentin. Ok. Pour une duresse. Ouais, et mettre une deuxième Duress, tu vois. Et on pourra enlever. Florian, il a l'upgrade d'être initiative Ah qui est ouais. plutôt solide. Body solide. Hein. Moi, j'enlèverai un Prédateur, tu sais pourquoi? Parce qu'entre Katar et Skyclave, c'est vraiment une cible facile pour lui. Ok. Et je crois qu'on n'est pas si mal. Ça me va. J'aime bien le de switcher d'anti-bet. Ouais, mais ça marche bien, effectivement, ouais. Oh Après, le il se dos! met à nous jouer des démons, des diables et des anges, bah il a gagné quoi. Ouais, mais à un moment donné, merde quoi. Ouais. Faut se garder ça. Ouais. Sur le play, non, mais sur la draw, oui, c'est notre plan quoi. Triple gestion. That's my plan. Il faut pas d'abord que tu. Non, c'est bon. Oh bah ok, écoute, parfait. Petit tour 1, non? Bon, vas-y. Parce qu'il pourrait pas attaquer avec tour 2. Enfin, il pourra pas le Ouais, il pourra pas l'entraîner. l'entraîner, ouais. Bien vu ça. Ouais, mais vu que nous on a un plan de jeu réactif, on s'en fout un peu quoi. C'est même très bien qu'il ait développé un anti-bet sur notre drop 1 parce que nous, ce qu'on veut maintenant, c'est juste gérer ce qu'il fait quoi. Alors si on veut que ça arrive d'étape, il faut que je le joue maintenant, mais du coup j'ai pas ça up quoi. Ouais, mais c'est pas grave parce que t'amuses avec le feu Ouais. au pire des cas. Ouais, Ok. je préfère comme ça moi. Je me demandais si c'était important de pouvoir faire ça, mais pas grave. Pas Bah, grave. ça pourrait l'être, mais. Non, je crois que qu'il est inspirante ou pas, on aura s'amuser avec le feu qui fait le taf. Il a rien à propal ici? Oh bah vas-y, mets un petit samedi avec le feu, ça Sinon marche je pas tue, ça. hein. Oh ouais, carrément. Hop, ça dégage. C'est gratuit ça. Il savait qu'on l'avait, je pense qu'il il voulait rien jouer au Tu vois, cas où. c'est pile le spot ultime où si t'as une duress et que tu l'enlèves Shodan, t'es trop bien. Ouais. Flow, hein. Ouais, carrément. Comme ça, tour d'après, je peux vampire et mot de pouvoir. Ouais, et puis tu peux aller chercher une duress si jamais il a pas Shodan ici, quoi. Après, s'il Shodan sur bord de vide, c'est pas ouf, hein. Non, là, il a ses premières apparitions. Normal. Ok, on va reprendre un drop 3, non? Pas de suite, hein. Enfin, un 3-3. On n'est pas pressé, hein. Non, non, je crois que je reste ça up, je joue Ouais, pas ça. c'est ça. Je pense que le match-up est très bon, hein. Quand tu joues Rakdos, c'était plutôt très bien contre toutes les bases blanches, hein. Ouais, bah quand même t'es ça c'est des anti-bêtes, C'est ça. C'est ça, c'est c'est ça. fort quoi. Alors que quand tu joues contre mono vert, ça ne tue rien. Ça, c'est naze, ouais. C'est si ça tue la 2-2 Si, qui fait c'est du vrai. mana. C'est ça. Et ça va tuer aussi les jetons de la classe seulement au moment où il joue sa Ouais, classe. au début quoi. Eh ben il en a plein, laisse-le. Hein. Parce que si nous tous les deux on est passé en mode contrôle, on va s'emmerder en fait. Non, mais c'est nous qui allons gagner à la fin sur tous les C'est nous jetons qu'on va de gagner. contrôle, je crois. Hein. Fin de tour, je vais tuer ça hein, pour prendre le bidon, je pense. Tu veux prendre le beatdown plutôt que garder peur paralysée? Ouais, ça se défend. Ça S'il joue dépend rien là. ce qu'il joue, ouais. Franchement, il joue rien, il a plus que deux cartes en main. Ouais, ça me va, ça me va.
Là, en fait, je peux faire le truc simple, c'est tuer ça, on trouve land, on anime, on met masse point, quoi. Et on rentre des points, ouais. Parfait. J'ai dit. J'ai dit, hein. Il a dit, hein. C'est 7 points. Il a aucune réponse. Et on a plein de bornes d'un coup, il n'y a plus rien. Ouais, j'ai encore une fois peur de Showdown, quoi. En fait, c'est la seule carte problématique de son deck. C'est-à-dire que Rakdos contre Mono Blanc, on a un match-up qui est extrêmement favorable. Mais dans Mono Blanc, il n'y a pas Showdown of the Scald. Parce que Et Showdown oui. of the Scald, ça bat bien les anti-bêtes de ton adversaire, quand même. Ah bah, il Quand... draw 4. Donc. Ben ouais, donc forcément, il retrouve des cartes à poser. Mais tant qu'il n'a pas Showdown, je pense que le match-up, il est très. Oh oui, non, c'est Ah non, incroyable. il est pas bien là. Il n'est pas bien du tout. Il n'a pas compris le monsieur qu'il allait reprendre une sauce, là. Continue, hein. Bon, ouais. Ouais, non, j'anime encore. Oui. Parce que je pouvais double vampire mondaine, mais. Vu que ça met du board en fait de jouer tanière, pas de attaque avec tanière. Ouais, non, c'est pas si mal. Et des points. Vampire mondaine, t'as envie de les trigger, et là, elle ne trigger pas, quoi. Si, je mettais un point gobelin et je joue les deux. Ouais, mais tu buffes tout? Ou tu buffes... Non, tu buffes que les vampires. Je buff que les vampires, ouais. Ouais, donc c'est pas ouf. Ça, c'est vraiment le play nul, quoi. Ah, mais si, je buffais tout, parce qu'elle arrive 2-2, enfin, je buffais les deux, et l'autre, elle arrive 3-3, et elle buff l'autre en 2-2. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ouais, je fais peur paralysante sur, sur Gobelin, et du coup, il perd ça, et on met 2. Et non. Ça, c'est une 3-2, donc j'ai plus trop envie d'attaquer avec. Tu peux leur donner une, t'en as deux. Ouais, sinon, je pouvais juste double attaquer et faire Vampire, vampire. 2-3-3 menaces. Ok, vas-y. Ah oui, 3-3 menaces en plus, c'est vrai que ça a la menace, ça. Non mais oui, carrément. Si ça a la menace et que lui, il a plus qu'une carte en main, même si sa dernière carte c'est Showdown, il aura pas le mana pour développer du board et bloquer ta menace. Donc là, Ouais. t'as un peu win en fait. C'est un peu game ici, hein. Et il a pas trop. En fait, je pense qu'il a pas. C'est un peu comme quand tu draftes mal. Genre, tu draftes Izzet alors que ton siège c'est Golgari. Il est sur le play et j'ai l'impression qu'il essaye des réactifs Ouais. contre un jeu. En fait, il a intérêt pour gagner à passer en dessous. C'est-à-dire à essayer d'être plus aggro que nous. Ça, c'est un poil relou. Non, parce que tu vas pouvoir peur paralysante. Il sera pas trop gros? Ah non, il Non. sera pile 3 Ouais, il sera d'endurance. pile Parfait. parfait. Et j'ai l'impression, ouais, qu'il a mal sidé, il a mal compris son rôle dans cette game. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je peux pas dire vampire et un peu gobelin. Comme ça, les un peu Et comme gobelins, ça, ils t'as meurent pas. l'étale. Ah, c'est dommage, hein. Si Non, bah, j'attaque, il vas-y, en bloque un. pour Ouais. fou. Il faut là. Ouais, Vampire, tu vas tout tuer. J'hésite. Tu peux dire noble, ça marche aussi, hein. Il est pas noble en face? Je sais pas, prends pas le Mec, risque. attends, je dis vampire juste. J'imagine. Hop, ça dégage. Merci. Ah 6 putain, points. avec combattante, ça, tu la buffais pas? Non, c'est après. Ouais, c'est après. Ah, ok. Hop, et là, elle arrive 4-3. C'est juste a win, quoi. C'est just a win, quoi. Bah, avec 2 mainland, 3 bêtes, dont 2 menaces. Sur Je le pense que play, celle-là, il elle est aurait bonne. dû essayer d'aller nous agresser. Ouais, en fait, comme il était en train de stabiliser et de gagner, mais on l'a tué au point près, tu vois. Je me suis Ouais. dit, enfin, je peux à sa place, je me serais dit peut-être, ah mince, il faut que je rentre un peu plus d'interaction, comme ça, grâce à mes Shodan, je vais gagner et je vais la jouer contre Lich, tu vois. Ouais. Sauf que non, Je pense que c'est il difficile fallait pas faire ça, de quoi. contrôler notre deck. On a 1000 anti-bêtes, quoi. Et plus que lui, donc. Je pense qu'il Ah, un a. peu Ou alors il tempo, a tu juste vois. trouvé toutes ses tous ses anti-bêtes et pas sa partie Oui, agressive. Et il a pas de showdown, tu il vois. peut aussi avoir touché la mauvaise partie de son deck, ouais. Où il s'est dit, il joue 4 duress. J'enlève 4 showdown. J'enlève 4 showdown. Hé Le boss. hé ouais. Ah, par contre, si tu robes, c'est pas beau, Daltar. Ouais, Daltar, Si c'est tu bon. réfléchis à ce On a que tu encore une peux vidéo faire, à ok? tourner, nous, Daltar, donc Voilà, c'est-à-dire si tu peux. que. On est un peu comme des citrons, là, si tu veux. Si tu peux Arcane Beignet, s'il te plaît. Arcane beignet, quoi. Quand on dit Arcane Beignet, c'est-à-dire tu prends un beignet et tu bandes un arc J'étais avec. en train de penser, je pense que. Tu sais, Ou alors c'est. tu prends un beignet et tu l'arques, tu lui donnes une forme Ouais, arcée. comme, en fait, ça se déchire un beignet. Ah, c'est ça, Et du Arcane coup, Beignet? arcane beignet, c'est qu'il faut que tu lui donnes la forme sans le déchirer. Mais il faut que tu le fasses vite. Ok. Ça n'a pas de sens, du coup, dans le contexte. Pas des masses. Parce que c'est Je vrai que sais pas. chaque expression a une espèce de métaphore, mais a un sens, tu vois. Genre, on est censé la comprendre, tu vois. Arcane Beignet, non, je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça veut dire, je ne le Je sais comprends pas pas. non plus. Mais je sais que ça veut dire bouge-toi d'altar. Ah, ça oui. Précisément. Ouais. Des fois d'ailleurs, on a des variantes dans le sud, Arcane Beignet le cul con. Ah non, mais là, c'est juste des mots les uns à la suite des autres. Là, ça n'a plus de sens. Déjà que ça n'avait pas beaucoup de sens à Ah, la base. d'accord. Là, on se perd, là. C'est vrai. On peut regarder son sleeve un peu. C'est les niveaux de véhémence, tu vois, qui est.
T'as des espèces de hiérarchies dans le... À quel point t'es C'est... pressé, tu Ou vois? alors c'est pour éviter la répétition, parce que Oui. tu dois le redire pour qu'il se re-arc le beignet, Eh ouais. mais il n'avait pas compris la première fois, tu vois. Oh, mec, te harceler le beignet, ça me fait aussi penser à un truc genre, tu sais, de Ah l'autosatisfaction. mais je l'ai déjà dit, je sais plus si c'était en stream en vidéo ou les deux, mais quand tu dis, non c'était en vidéo, ce le peu Ouais. importe ce que tu dis, Ouais. ça aura cette Parce que je trouve connotation que te d'onanisme. harceler le beignet, bon, tu fais Tout ça de un peu suite. bizarrement, mais... Oui. espèce d'autoplaisir, quoi. Mais tu vois, tu peux. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tu vois là, j'ai deux objets, je me dis, ce verre d'eau, le téléphone. Je pense que les gens se disent, ah ok, ouais, ce verre d'eau, le téléphone, tu vois. J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Alors que non, j'ai dit deux objets qu'il y avait à côté de Oui, moi. c'est vrai. Ah, la langue française est folle, hein. Mais il faut que ce soit des mots assez courts. Putain Tu vois? d'altar, tu me casses les couilles là. Ce repose-casque, le deck commander, ça commence à devenir trop long. On s'est Ouais, perdu. non, non. Mais Sarkel Beignet, c'est bon. Bien joué, Daltar. Non. Bien 1%. joué à nous. Pourcent par Ah, pourcent, c'est. on va pas y arriver. Ah, bah, c'est pas facile, Ou hein. alors dans très longtemps. C'est la fin de la vidéo, je pense. Ben c'est la fin de la Mais vidéo. bien Pouce bleu, sûr. commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez. Vous, Sarkel Beignet? Si vous voulez vous arquer le beignet sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description, avec notre chaîne Twitch ValpelmagicArena.fr. Et surtout, n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.